مرحبا عسلامة، مرحبا بكم في كوكتيل كلوب تونيزيا. اليوم باسم ماضي معكم، عندنا كوكتيل جديد وضيف جديد. C'est la saison des fêtes. La star du réveillon. C'est le champagne. On va boire le champagne autrement. Tout ça est simple à faire à la maison. On va commencer avec un Bellini. Okay. C'est 2 centilitres de purée de pêche. Le Bellini se fait normalement avec du Prosecco. Le champagne, c'est mieux. Dans toutes les occasions, sont bonnes pour boire du champagne. Voilà. Ça, c'est un Bellini. On passe au second. Donc, pour avoir une cuillère royale, il faut alors 2 centilitres de liqueur de cassis. Ce cocktail a été fait à Dijon. Hein. Exactement. Ils savent faire des choses à Dijon. Voilà. Avec une jolie couleur. On va passer au prochain cocktail. Alors, on va faire un mimosa. Ça, c'est 8 centilitres de jus d'orange. Et là, on va passer au dernier cocktail. C'est mon Black Velvet. C'est de la stoue et du champagne. Ah, la fratina, une bière locale. Et c'est accessible à tout le monde. Exactement. Ça a été fait en l'honneur du prince Albert et tout de la reine Victoria. On va goûter. Exactement. Ouais. Bellini. Bellini. Bah, on sent bien la pêche. Non, il est très bon. Alors celui-là, il est un peu plus sucré, mais il est très bon. Ladies drink. Là. Là, on a le mimosa. Bni, surtout pour un lendemain. Et là, on est sur la petite découverte, le Black Velvet. Black Velvet. Bah, c'est pas hyper sucré, mais c'est très bon. Je pense que c'est... C'est quelque chose qui pourra plaire à tout le monde, surtout ceux qui ne sont pas très fans de champagne, mais plus de bière. Alors mes amis, joyeuses années, meilleurs vœux. On tient à 2019, encore plus de vidéos au Cocktail Club Tunisie. Je pense que j'ai un peu trop bu.